Bonjour à tous, les conditions de jeu idéales sur la pelouse et même en dehors, donc pour assister à un magnifique spectacle dans quelques secondes. C'est le coup d'envoi. Au commentaire de ce rendez-vous, Benjamin Da Silva et le vrai génie, le seul génie argentin, j'ai nommé Omar Da Fonseca. Et la tension est palpable ici avec ce match qui promet d'être très intense. Nice face au Stade Rennais. Une victoire aujourd'hui leur permettrait d'écraser l'écart et les renvoyer à 6 points. Elles doivent leur imposer le rythme dans ce match. Elles vont devoir jouer avec beaucoup d'intensité pour les mettre sous pression. Toujours en avant. Et pourquoi pas ici? Oh, le but de quelques minutes seulement et déjà un but dans ce match. Bombasso! C'est reparti, les Rennais menés d'un but. On attend la réaction maintenant. Linga. Excellente la séquence de construction. Et non, là ça n'arrive pas. Le ballon est rendu à l'adversaire. Miranda. Enzo Fernandez. Le ballon vers Miranda. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Et heureusement, là, le deuxième rideau défensif reprend le ballon. Eh bien fait, quelle ouverture! Adam, ballon pour égaliser. Quel geste! Tété. Ballon pour Reina. Ouais, la bonne intervention. Touche. Ouais, la défense ne prend aucun risque. Coup de pied de coin à suivre. C'est bien parti pour ce corner. Tête complètement ratée, ça passe loin du cadre. Et le ballon est finalement intercepté. Une chance d'égaliser peut-être. Ouais, c'est magnifiquement défendu ça. Reina. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Le Stade Rennais avec le ballon pour tenter quelque chose. Un peu de chance pour tenter une frappe. But et l'égalisation sur ce ballon. Voilà une belle preuve de caractère, de retour dans ce match. Et tant mieux pour le spectacle. Et avec ce but, score de parité, un partout. Cody Gakpo avec le ballon. Giovanni Reina reçoit le ballon. Et ça joue sur Cody Gakpo. Ah, il faut tirer maintenant, attention. Oui, il se détend bien sur ce plongeon. Ah, le corner bien tiré. Oh oui, quelle parade! Je la voyais dedans cette tête, mais le gardien a fait un exploit. Allez, c'est joué court. Ballon pour Reina. Oui, le centre, il est bon dans la surface. Ah, l'attaque bute sur une défense bien en place. Gustavo Assuncao.
Gustavo Assunção. Et c'est en direction d'Aouchiš. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. Aouchiš. Jesse Lingard. Lingard. Gustavo Assunção. Eren qui tente de porter le danger. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Miranda. Et bien joué dans la profondeur. Et le ballon va échouer sa trajectoire très loin du but adverse. Ça passe donc largement à côté. L'appui, la direction, il n'y a rien qui va dans cette frappe. Lingard. Gustavo Assunção. Très bon timing sur cette interception. Miranda. Fernandez. On essaye de construire pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Ouais, très bon jaillissement sur cette balle en profondeur. Darwin Núñez. Ballon pour Reina. En excellente position. Le poteau, la balle revient en jeu. Et la balle est finalement renvoyée. Le gardien s'en saisit tranquillement. Pas mal de réussite sur cette action pour lui. Il semblait battu, mais son poteau est devenu son allié. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Mais c'était sans compter sur le gardien qui anéantit provisoirement ses rêves de doublé. Aouchiš. Nous sommes installés dans le camp adverse, peut-être une bonne occasion à venir. Oh, le tir! Et c'est le but! Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2 buts à 1. Miranda. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Adil Aouchiš avec le ballon. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Et ça joue sur Aouchiš. À l'occasion de faire parler sa frappe. Et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour alourdir la note.
Et donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. L'OGC Nice peut se projeter dans le camp adverse. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Aouchiche. Et une passe dangereuse, mais trajectoire bien coupée. Ah, il faut tirer là. Oh là 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 là, ça s'enchaîne et ça... A fait une différence de 3 buts maintenant. Ça reprend ici donc avec les joueurs du Stade Rennais qui ont ces 3 buts d'avance. Pété. Les pourcentages des possessions penchent du côté rennais. C'est en partie grâce à l'excellente circulation des ballons que le score est aussi large. La domination est totale et l'équipe est parfaitement sereine. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Arrêt exceptionnel, le ballon écarté juste devant le but. C'est une parade des classes internationales. Cornea. Ah, le ballon est dégagé. Excellent le geste défensif là. Reina. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Tété. Enzo Fernandez. Ballon pour Miranda. Ballon pour Reina. Et l'équipe récupère le ballon. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Ah, une frappe pour conclure peut-être. Ah, le pressing paye, ballon récupéré très haut. Ah non, le ballon est encore perdu. Ballon dangereux, mais finalement bien intercepté. Tété. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Eh, bon ballon là, donné dans l'espace. C'était prometteur, mais la défense est attentive. Ça sort de limite, c'est une touche. Elle a place pour tenter sa chance. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Darwin. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Bonne intervention pour stopper l'attaque.
L'action se poursuit. Intervention du gardien. Alors là, pour le gardien, même pas besoin d'être un super-héros, c'est cadeau. Et voilà une nouvelle victoire qui les installe un peu plus en tête pour l'instant. Ce sont les meilleurs et ils viennent de le prouver à nouveau.